Salut les amoureux du bluegrass. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil que j'ai mis en place il y a quelques années et qui a déjà été fort utile et qui vous le sera peut-être aussi pour vous permettre de rencontrer d'autres musiciens comme vous qui aiment les mêmes musiques. Bonjour, je m'appelle Gilles Rézard, je suis musicien passionné par la musique bluegrass, les neurosciences et en particulier et les sciences de l'apprentissage. Je vais partager avec vous dans cette vidéo cette fameuse carte des musiciens de bluegrass, donc que j'ai mis en place il y a maintenant plusieurs années, et puis qui comporte à ce jour 538 musiciens qui se sont inscrits volontairement pour éventuellement être contactés par d'autres musiciens. Et puis ça permet évidemment de découvrir que parfois on a des musiciens qui partagent la même passion que nous et qui n'habitent que à quelques minutes de chez nous. Ça s'est déjà produit. Et puis j'ai quelques exemples en tête de gens qui continuent à se voir au bout de quelques années, qui ont découvert qu'ils habitaient par exemple à 10 minutes l'un de l'autre. Et voilà, il y a plusieurs exemples dans ce cas-là. Il y a même des groupes qui ont pu se rencontrer et se former grâce à cette carte. Petit détail, simplement la carte est semi-automatique au niveau des inscriptions, c'est-à-dire que lorsque vous vous inscrivez, eh bien, vous allez recevoir par email un lien pour accéder donc à tous les contacts. Et dans un deuxième temps, donc là ça se fait manuellement, votre contact sera ajouté à l'endroit où vous habitez avec vos coordonnées pour pouvoir être contacté. Alors voilà, ça s'appelle la carte du bluegrass. Évidemment, ça concerne aussi d'autres musiques qui sont compatibles, on va dire. Et puis, il est à signaler également que donc cette carte est ouverte et accessible uniquement aux personnes inscrites, ce qui permet d'éviter d'avoir eh bien des démarchages intempestifs ou indésirables et du spam. On en a, je crois, tous suffisamment déjà dans nos boîtes aux lettres pour ne pas être dérangé par cette inscription supplémentaire. Donc, l'adresse que vous fournissez, eh bien, elle reste évidemment extrêmement confidentiel en ce qui me concerne. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu courte. Je vous joins en dessous de cette vidéo, eh bien j'inscrirai le lien pour accéder à la page d'inscription. Et puis je vous encourage également à découvrir d'autres liens qui vont être référencés sur la page d'inscription et qui concernent eh bien la jam bluegrass, puisque la jam bluegrass c'est un petit peu le moyen traditionnel d'apprendre cette musique. Dès l'instant que l'on a quelques rudiments, eh bien, on peut essayer de jouer en groupe et il faut vraiment pas hésiter à le faire. J'organise régulièrement également des stages de jam bluegrass dans la tradition, c'est-à-dire en apprentissage un petit peu à la volée, à l'oreille, de mélodies et d'accords très simples, dont le répertoire foisonne littéralement. Et puis, donc le prochain stage, eh bien, il est déjà rempli et puis il y en aura certainement d'autres un petit peu plus tard. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous intéresse, à cliquer sur la petite cloche pour les notifications et à mettre un petit pouce en l'air, eh bien, si ce contenu vous a intéressé. Quant à moi, je vous dis bonne semaine et puis à lundi prochain à midi.